Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de filet mignon que j'ai cuit avec des oignons, des tomates cerises, des tomates, un peu de fond de veau, du concentré de tomates. Vous verrez, délicieux, on dirait un peu un poulet basquez, sauf que c'est du filet mignon, bien évidemment. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc pour cette recette, il nous faut des filets mignons de porc. Donc moi j'en ai pris deux. C'est deux moyens. Après il y en a des beaucoup plus gros. Je vous laisse choisir. J'ai fait trois gousses d'ail que j'ai épluchées, dégermées et que j'ai pressées. Deux oignons que j'ai déjà émincés. Il nous faut bien évidemment des tomates. Donc là, moi c'est les tomates du jardin. Des grosses tomates rouges et des petites tomates jaunes. Vous pouvez prendre que des rouges. Ça changera pas le goût. Il nous faut un peu de double concentré de tomates. Il nous faut un petit peu de vin blanc. Et il nous faut du fond de veau. Donc là, j'ai fait 1 litre de fond de veau. Et après, selon l'épaisseur, quand je vais le mettre à cuire, j'ajouterai peut-être un petit peu d'eau. Et il nous faudra un petit peu de thym. Allez, on est parti. Donc j'ai pris une cocotte en fonte. Il faudrait bien prendre une marmite, quelque chose qui va au four de préférence. Donc j'ai pris une cocotte au fond, j'ai mis un fond d'huile. Et je vais faire revenir dans un premier temps ma viande. Donc on fait bien revenir de tous les côtés, que notre viande soit bien colorée. Donc là notre viande est bien revenue. Je prends une assiette. Je débarrasse et je mets de côté pour l'instant. Et je vais remplacer ma viande par mes oignons. Alors, fais bien revenir les oignons. Donc là, nos oignons commencent à être bien revenus. C'est le moment d'y rajouter les tomates. Allez, on laisse bien compoter, c'est ce qui va faire notre base de sauce. Allez, 5 bonnes minutes. Donc là, nos oignons et nos tomates commencent à être bien compotés. Je vais y mettre un petit peu de vin blanc. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Généralement, on met ça pour déglacer, pour enlever les sucs. Mais là, comme on a mis des tomates, il n'y a pas vraiment de sucre. C'est juste pour donner un petit goût. Voilà. On va y mettre notre concentré. Notre double concentré de tomates. Allez, on n'hésite pas parce qu'il faut quand même que ça ait un goût de tomate. Je vous vends de la tomate, il faut de la tomate. Je vais y rajouter par la même occasion notre ail. On va y rajouter pareil, notre fond de veau. Voilà. Là, je vais y mettre tout de suite. Je vous l'avais dit. Alors, du thym. On va mettre du thym et de l'origan. Allez, hop, un peu de thym. Un peu d'origan. Hop, on mélange bien. On reprend notre viande. On la met bien sous la sauce. Et hop, on met le couvercle et on est parti pour 45 minutes de cuisson à 200 degrés. Allez, ma viande est cuite. Regardez, j'ai mes deux filets mignons. J'ai mes petits oignons, mes petites tomates, ma petite sauce. Si votre sauce, vous la voulez un peu plus épaisse,
Vous prenez dans un bol de la sauce chaude avec un peu de maïzena, vous remettez à chauffer dans votre gamelle, ça va épaissir. Et si c'est trop épais, un petit peu d'eau, ça fera l'affaire. Servez ça avec des pâtes, du riz, des grands classiques. Hein. Et puis voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, bisous.